Avant de vous donner des conseils pour améliorer votre foulée, on va se poser une question importante. C'est quoi une foulée? D'après le Larousse, c'est la distance couverte entre deux appuis successifs. C'est la période de temps, du moment où votre pied quitte le sol vers l'avant, jusqu'à ce qu'il revienne le toucher pour laisser l'autre pied attaquer sa foulée. Alors une belle foulée, c'est bien, mais nous on cherche une foulée efficace. Parce qu'une belle foulée avec un genou qui va haut et loin devant, ça va être efficace pour un sprinteur, mais pour des coureurs de demi-fond comme nous, est-ce bien utile? On va aborder plusieurs points dans cette vidéo. La fameuse pose du pied, la posture, la cadence de pas, la poulaine et l'utilisation des bras. Il y a 2 ans, j'ai découvert une méthode de course à pied qui a attiré mon attention. La méthode Light Feet Running ou courir léger en français, proposée par Solarberg CL dans le livre du même nom. Le premier pilier, c'est la pose de pied. Quand vous marchez, le talon touche le sol en premier, puis le pied se déroule sur toute la voûte plantaire et il quitte le sol pour aller de l'avant, presque sur la pointe du pied en fonction de votre faculté à ouvrir votre hanche. Et vous recommencez avec l'autre pied. Vous avez toujours un pied au sol, c'est la différence avec la course. En course, vous avez un temps de suspension, temps pendant lequel vos deux pieds sont dans les airs. Vous volez en quelque sorte, mais vous êtes rattrapé par la gravité qui vous fait retomber au sol. On distingue 3 types de poses de pied aujourd'hui. Le médio-pied, le pied à plat et la pose talon. Pour connaître votre type de pose, regardez vos semelles. La partie la plus usée correspond à la partie que vous posez en premier. Sur une foulée médio-pied, c'est plutôt l'avant de la semelle qui va être usée. En revanche, si vous posez le talon en premier, la semelle sera plus usée à cet endroit, au niveau du talon. On va commencer cette partie pose de pied par la pose talon, celle qui fait débat, celle qu'on a tendance à diaboliser. Soyons clairs, poser le talon en premier, c'est pas dramatique. Ce qui l'est beaucoup plus, c'est de poser le talon en premier avec la jambe tendue et loin devant le bassin. Là, vous prenez toute la charge dans le genou et vous priez pour que l'amorti de vos chaussures fasse le job, mais ça ne marchera pas parce qu'il faudrait 10 cm d'amorti pour que ce soit efficace et que ça absorbe vraiment l'impact au sol. Avec cette pose de pied loin devant le bassin et jambes tendues, et bien vous allez sursolliciter les articulations au lieu d'utiliser votre musculature et vous allez vous blesser. Ménisque, rotule, syndrome de l'essuie-glace, périostite. Et vous allez changer de chaussure tous les 600 km puisque le fabricant vous a dit que l'amorti n'était plus efficace à partir de ce kilométrage. Bref, on observe un deuxième type de pose de pied, la pose pied à plat. Là, le pied vient se poser au sol, un peu comme un avion qui atterrit, pratiquement à plat, orteil, médio-pied et talon en même temps. L'avantage de cette foulée, c'est qu'on soulage les mollets, on ne tire pas trop sur les tendons d'Achille et musculairement, on amortit bien l'impact au sol. L'inconvénient, c'est qu'on ne profite pas de l'élasticité du pied puisqu'il se pose d'un coup. Et il décolle de la même façon avec une légère flexion de la cheville pour quitter le sol avec la pointe du pied en dernier. C'est une foulée qu'on retrouve beaucoup en fin de course chez les coureurs qui commencent à être fatigués. Le corps, inconsciemment, il fait poser tout le pied en même temps parce que les mollets sont trop fatigués pour amortir une pose médio-pied. Et enfin, la troisième pose de pied, celle dont on parle très souvent car étiquetée comme la meilleure pour la performance et la prévention des blessures, c'est la pose médio-pied. C'est quand vous posez d'abord la partie avant du pied, avant de poser le talon. Alors on ne parle pas d'atterrir sur les orteils, attention, mais vraiment sur la moitié avant du pied, le gros coussinet juste sous les orteils. En général, on pose ce coussinet en premier, puis les orteils, puis le talon. J'insiste bien les athlètes sur le fait qu'il faut poser le talon au sol pour relâcher les mollets. Parce que beaucoup de coureurs qui veulent changer de foulée et qui veulent aller vers une foulée médio-pied, ils se blessent. Pourquoi? Parce qu'ils courent sur la pointe des pieds ou presque sans jamais poser le talon. Parce qu'ils se disent que ce ne serait pas une foulée médio-pied. Et comme on a tendance à penser que la foulée médio-pied, c'est la meilleure du monde, on fait tout pour y arriver. Mais ne pas poser vos talons, c'est pas sans importance, c'est pas sans conséquence. C'est risqué pour vos petits mollets. Essayez de courir sur la pointe des pieds et vous allez voir que vos mollets ils vont vite vous demander d'arrêter et de poser le talon pour les reposer. Ça, c'est pour la pose de pied. Maintenant qu'on a vu ce premier pilier, on va s'intéresser au second, la posture globale du corps. Votre bassin, il doit être sur une même ligne que vos épaules et votre tête. La tête, elle doit être droite. Si vous voulez regarder au sol, vous baissez les yeux pour regarder où vous mettez les pieds, mais vous baissez pas la tête. Parce que si vous baissez la tête, vous allez courir voûté et vous aurez tendance à courir assis en posant le talon en premier et en vous fatiguant davantage parce que vous bloquez votre ouverture de hanche et donc l'envoi du genou vers l'avant. Pour courir, il faut être bien gainé. Alors attention, quand on pense gainage, on pense contraction des abdos. Pas besoin de contracter les abdos, ce serait contre-productif. Mais votre dos, il doit être gainé pour que la foulée, elle parte du haut du corps et pas des jambes. Courir, c'est tout le corps qui participe, pas juste les jambes.
Concernant justement le renforcement musculaire à effectuer pour la course à pied, il faut à minima travailler sur les parties importantes qui travaillent sur une foulée LFR, c'est-à-dire le gainage du tronc, abdos et dos, les quadriceps et le pied. Pas besoin d'avoir de gros ischio-jambiers ni des mollets monstrueux puisqu'on les utilise de façon passive au sens où on utilise leur élasticité plutôt que leur force. Si vous avez les mollets trop développés, c'est un indice, c'est signe que vous les sollicitez trop et que votre foulée n'est pas encore light fit running. Le mieux, c'est de renforcer tout votre corps pour ne pas créer de déséquilibre. Pour ma part, je pratique le crossfit parce que c'est un des sports les plus complets en matière de musculation, de renforcement musculaire et de travail de mobilité. Si vous avez une box, c'est-à-dire une salle dédiée au crossfit près de chez vous, franchement, allez faire un essai. Je pense que vous ne serez pas déçu. Après, si vous souhaitez quelque chose de moins exigeant physiquement et de moins prenant en termes d'agenda, vous pouvez aussi utiliser des coachs virtuels, comme l'application Freeletics par exemple, que j'ai utilisé pendant des années. Ça coûte 6-7 euros par mois. Ça s'adapte à votre agenda, à votre matériel, autant que vous avez à consacrer à la séance. Je vous mets un petit lien sous la vidéo, parce que comme ça, vous aurez une petite réduction de 30% pour tester l'abonnement. En plus de la musculation, c'est très important de travailler votre mobilité articulaire, notamment celle des hanches, pour que votre extension de hanche soit possible. Pour ça, il faut miser sur du travail de mobilité plutôt qu'un travail de souplesse. En course à pied, c'est pas très bon d'être trop souple parce que vous serez moins efficace dans la restitution de l'énergie musculaire. Imaginez par exemple un élastique. Imaginez un élastique détendu que vous tendez facilement. Quand vous le lâchez, il part pas très loin. Si maintenant vous prenez un élastique bien tendu avec une grosse résistance et que vous le tendez, déjà vous allez avoir du mal à le tendre et quand vous le lâcherez, il partira bien plus loin que le premier élastique qui était trop souple. Pour développer votre mobilité, vous pouvez, avant chaque séance, effectuer des ouvertures de hanches frontales et latérales et travailler un petit peu la posture du squat profond, aussi appelé deep squat, pour travailler l'ouverture des hanches. Si vous n'arrivez pas à poser les talons au sol, comme moi par exemple, parce que je ne suis pas très mobile, c'est pas grave, vous pouvez mettre un support sous vos talons pour rehausser, pour avoir un peu de drop. Le temps d'y arriver, vous pouvez mettre un bouquin et puis au fur et à mesure, vous diminuez l'épaisseur du bouquin jusqu'à être avec les pieds à plat, les talons qui touchent le sol. Maintenant que vous êtes bien gainé, vous êtes bien tonique, on va parler des bras. Pour vous convaincre de l'utilité des bras, faites un test lors de votre prochaine sortie. Courez avec les bras dans le dos. Vous verrez que c'est compliqué et pas efficace du tout. On est déséquilibré, ok, mais pas que. Parce que vos bras, ce sont vos premiers moteurs quand vous courez. Ils ne sont pas là juste pour vous équilibrer. Bon, vous savez quoi, je vais me mettre debout. Comme ça, ce sera plus facile pour vous montrer comment utiliser les bras. Pour les bras, c'est très simple. On va exagérer un petit peu le mouvement de balancier. Le coude, il est fléchi à 90 degrés ou un petit peu moins. Voilà, comme ça. Les bras, ils sont assez hauts. Courez pas avec les bras trop bas. Pas les bras trop hauts non plus, parce que ça vient contracter les épaules. Les bras, voilà. Les mains sont comme ça. Comme si vous teniez, en fait, les lanières d'un sac à dos. Et puis, vous allez dérouler comme ça. Vous tirez vers l'arrière. C'est l'épaule qui fait la rotation. L'angle du coude ne bouge pas. Regardez. Voilà. Vous tirez loin derrière et ça revient tout seul devant. Comme l'élastique tout à l'heure. Vous tirez derrière, ça revient tout seul devant. Pas la peine d'aller chercher loin devant, j'en vois qui font ça, qui font un peu en mode marche nordique. Il n'y a pas besoin, vraiment il n'y a pas besoin. Voilà. Hop, vous suivez le rythme de votre foulée et vous y allez comme ça. Vous tirez un peu vers l'arrière, un peu vers le bas, comme si vous teniez les lanières d'un sac à dos. Et voilà, habituez-vous à le faire dès le footing. Et vous verrez qu'au début, ça va peut-être vous faire accélérer un petit peu, mais c'est pas grave, vous allez prendre quelques pulsations cardiaques, mais au fur et à mesure, ça va devenir naturel et vous serez plus efficace et vous irez plus vite pour une même fréquence cardiaque. Allez, je vais me rasseoir. Le quatrième pilier, qui est sans doute le plus important et le plus facile à améliorer quand on parle de foulée, c'est la cadence de pas. La cadence, c'est le nombre de pas que vous faites chaque minute. Si vous posez le pied gauche 80 fois par minute, vous avez une cadence de 160 pas par minute, qui est assez faible. On entend souvent que le chiffre idéal, c'est 180 pas par minute. C'est ce qui a été remarqué par Jack Daniels, un entraîneur américain qui n'a rien à voir avec le whisky, dont je vous parlais dans la vidéo consacrée à sa méthode, qui a déterminé ce chiffre en observant des athlètes élites. Alors moi, je ne vous demande pas de courir à 180 pas par minute, pas en footing du moins, mais vous devez être au-dessus de 170 en permanence, même si comme moi vous êtes grand et que vous mesurez
1m90 ou plus. Pourquoi 170 minimum? Pourquoi 170, entre 170 et 185, 190 en fonction des vitesses? Prenez un métronome sur votre smartphone ou votre montre si elle en a un. Faites le test suivant. Courez à 170 pas par minute pendant une minute. Ensuite, montez à 180 pas par minute pendant une minute. Puis, la troisième minute, redescendez à 160. Est-ce que vous sentez la différence? Est-ce que vous sentez comme votre corps s'écrase à 160 pas par minute? Alors, imaginez si vous courez à 150, comme beaucoup de coureurs récréatifs, comme beaucoup de coureurs amateurs qui n'ont jamais appris à courir. Les dégâts sur votre corps, ils sont immenses. Plus vous posez le pied longtemps au sol et plus vous infligez un choc monstrueux à vos articulations. Et aussi, plus vous avez de chances de courir assis et donc de poser le talon loin devant le centre de gravité. Moins votre cadence elle est élevée, plus vous allez courir verticalement. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'oscillation verticale ou OV. C'est le trajet que fait votre tête vers le haut à chaque foulée, un petit peu comme ça. Quand vous courez, vous faites ça. Voilà, vous montez, vous redescendez. Et évidemment, c'est pas productif parce que courir, ça se fait vers l'avant et pas vers le haut. Une cadence élevée, ça va vous permettre de faire des pas plus petits et donc d'aller plus vers l'avant et moins vers le haut. Alors l'idée avec la cadence, c'est de l'améliorer progressivement. Pourquoi pas augmenter de 5 ppm par mois pour ensuite arriver à 175 pas par minute en footing. Si aujourd'hui vous êtes à 160, vous passez directement à 170 et vous augmentez. Vous essayez allure footing de tendre vers les 175 pas par minute régulièrement. Ce serait un vrai pas en avant et vous allez voir que vous serez beaucoup plus dynamique, plus rapide et vous aurez moins de douleur après vos séances parce que vous allez plus profiter du rebond, de l'énergie musculaire et solliciter les articulations. On va maintenant passer au cinquième et dernier point de la foulée, la poulaine. La poulaine, c'est quoi? C'est le trajet que votre pied effectue. C'est un cycle. Si on regarde ce que ça donne en détail, on a ça. Le pied quitte le sol vers l'avant, passe derrière le bassin, enfin le bassin passe devant le pied finalement, et le pied quitte le sol sur la pointe du pied pour revenir se poser sous le bassin à plat ou légèrement sur le médio-pied sur le trajet retour. Quand votre pied touche le sol, il doit être sur son trajet retour. Le tibia doit être légèrement penché vers l'avant et pas penché en arrière avec le pied qui freine. Vous voyez que le talon il touche toujours le sol, sinon gare à vos mollets. Alors cette poulaine, vous pouvez la répéter à l'échauffement. Vous faites 10 fois de chaque côté, 10 fois pour chaque jambe, vers l'avant, mais aussi vers l'arrière pour bien décomposer le geste et que ça devienne automatique. Avant de conclure, vous vous posez certainement une question. Comment savoir si on a une foulée efficace, si on a une foulée light fit running? Et bien là, il n'y a pas trop le choix. Il faut passer par l'analyse vidéo. Donc si vous voulez que j'analyse votre foulée, on peut faire ça à distance. Vous m'envoyez un mail à contact@jfit.fr et je vous expliquerai comment procéder. Et si vous voulez aller plus loin dans le travail de votre foulée, je pense que vous devriez commander le bouquin dédié à la foulée Light Fit Running parce qu'il est vraiment excellent. Je vous mets le lien sous la vidéo pour le commander. Sportez-vous bien les athlètes, à très vite. Ciao ciao.